La section communale du PASTEF, les Patriotes de Jiguinchor, a choisi son candidat à l'unanimité ce dimanche lors d'une assemblée générale. L'évocation du nom d'Ousmane Sonko pour briguer la magistrature communale a été suivie par une forte acclamation dans une salle pleine à craquer. Ce que nous avons fait, nous sommes allés directement, nous avons investi le président Ousmane Sonko. Donc nous demandons et on va dire même que nous exigeons que notre, pour beaucoup de raisons en tout cas, que pour que notre président Ousmane Sonko se présente pour la mairie de Jiguinchor. Les raisons évoquées par Marie Binta Badji, adjointe au coordonnateur communal, sont surtout liées à la volonté des patriotes du sud du pays de gagner toutes les collectivités locales de la région, entre autres. Le président Ousmane Sonko, en tant que personne morale du parti, ne peut pas ne pas être maire. Parce que pour nous, ça doit faire partie de son palmarès. Il est aujourd'hui député à l'Assemblée nationale, nous savons ce qu'il fait. Mais nous aurons aimé aussi qu'il soit maire de Jiguinchor, vraiment en tout cas pour nous épargner beaucoup de choses qui se passent à Jiguinchor avant d'arriver à la magistrature suprême. Vous êtes sans ignorer qu'à Jiguinchor il y a certaines rivalités entre PASTEFois, mais nous savons que derrière Ousmane Sonko, tout le monde va se ranger et ce sera une victoire vraiment éclatante au soir du 22 janvier, Inch'Allah. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, est donc investi par les camarades de Seydou Mandian qui dirige cette section de la ville de Jiguinchor. Une exigence, selon ces derniers, qui se disent déterminés à travailler pour que le concerné puisse accepter l'invite. Par ailleurs, le nom de Seydou Mandian est retenu au cas où le leader du PASTEF venait à décliner cette sollicitation. Jiguinchor, Amadi Khalilou Guiné pour la radio-télévision Alpha Diri. Journal.